Deuxième édition de votre journal sur Canal 2 International. Deuxième édition la semaine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la une. Éducation probatoire d'enseignement général des milliers de jeunes Camerounais, lycéens et collégiens. Donc, depuis ce matin aux portes de la terminale, ils étaient plus de 140 000 candidats à affronter les premières épreuves aujourd'hui, le point de cette première journée dans cette édition. En sport, Lyon, indomptable du Cameroun, 9 buts encaissés, un seul but de marqué. Voilà le triste bilan de la campagne brésilienne qui pour eux, Lyon indomptable, s'est achevée hier face au Brésil. Quel avenir pour cette équipe qui ne gagne plus de matchs ni de compétitions? Dossier complet dans ce journal. Et à l'étranger, Peter Greste et deux autres journalistes travaillant pour la chaîne Al Jazeera ont été condamnés entre 7 et 10 ans de prison. Selon le tribunal du Caire, ils sont coupables de diffusion de fausses nouvelles lors de la couverture de la crise contre les frères musulmans. Une condamnation qui scandalise la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette édition du journal. C'est en santé que nous ouvrons cette édition. La salle de conférence de la délégation régionale de la santé pour le littoral a servi de cadre aujourd'hui à une conférence de presse marquant le lancement de la troisième phase de vaccination contre la poliomyélite, une mesure qui vise à éradiquer définitivement cette maladie. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Louise Aïna. 62 000 enfants âgés entre 0 et 5 ans ne sont toujours pas vaccinés contre la poliomyélite dans le littoral. Pour cause, le manque de communication. Une conférence de presse a été donnée ce mardi à la délégation régionale du ministère de la Santé publique à Douala en prélude à la première édition de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, à laquelle sera joint le 6e tour des journées nationales de vaccination de riposte contre la poliomyélite. Une initiative du ministère de la Santé publique qui vise à faire vacciner tous les enfants âgés de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Stopper la circulation du virus de la polio au Cameroun, cette campagne de santé est importante pour tous. Nous allons vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite qui paralyse nos enfants, qui menace de les paralyser. Nous allons administrer la vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois et nous allons déparasiter les enfants des vers par le mébendazole qui est un vermifuge, qu'il est important de vacciner son enfant contre la poliomyélite pour arrêter la circulation du virus polio sauvage dans notre pays. Il faut le faire. Des équipes médicales sont d'ores et déjà sur le terrain pour procéder aux vaccinations à domicile. Cette campagne de santé ira du 27 au 29 juin prochain. La polio ne se soigne pas. Chers parents, vaccinons nos enfants pour l'éradication de cette épidémie. C'est gratuit. Logements sociaux, disais-je, la phase pilote de construction de 10 000 logements sociaux tarde à livrer ses bâtiments. Les raisons de ce piétinement avec Jean-Christian Hakam. Elle ne semble pas aller au rythme escompté. La phase pilote du programme de construction de 10 000 logements sociaux et l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles est au moins à sa deuxième prorogation depuis 2013. C'est dire si les difficultés sont légion. Le premier problème, c'était le coût. Le projet était mal évalué. C'est pour ça que nous tirons un coup de chapeau au ministre actuel qui a pris sur lui, avec le concours du gouvernement, de refaire le projet. On a refait des avenants pour toutes les entreprises qui travaillent. Bon, en fait, en principe, toutes les entreprises qui ont la volonté d'évoluer avaient la possibilité d'aller très loin dans le projet parce qu'ils avaient de l'argent nécessaire pour le faire. Certaines PME n'avaient pas la maturité pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce genre de projet. Autre difficulté, le déficit énergétique, l'absence d'approvisionnement en eau, la surenchère sur les prix des matériaux et des retards dans le déblocage des fonds. À Olembe comme à Mbanga-Bakoko, les entreprises étrangères avancent malgré tout plus vite que les PME camerounaises. Les entreprises étrangères qui viennent au Cameroun travailler, la plupart du temps viennent avec leur financement, ce qui les facilite le travail parce que quand le financement est disponible, automatiquement tout s'achète, tout va très vite. Par contre, les entreprises
camerounaises qui travaillent déposent des décomptes et attendent d'être payées. Souvent, le temps de paiement peut être plus ou moins long. Et pendant ce temps, s'il n'y a pas de concours, parce que beaucoup de nos banques, vous êtes sans les ignorer, sont beaucoup plus des banques de dépôt. Bon, beaucoup de ces banques, s'ils ne suivent pas automatiquement, l'entreprise qui est en train de travailler attend le paiement pour continuer à évoluer dans son projet. Tirant les leçons de cette inertie, le maître d'ouvrage a résilié des contrats avec certaines entreprises. Quant au PME national, elle souhaite plus de célérité dans les décrets. Probatoire 2014, près de 143 000 candidats sont allés à l'assaut dès ce matin du probatoire d'enseignement général. Nos reporters ont sillonné quelques centres d'examen pour se rendre compte du bon déroulement justement de cet examen-là. Pas de cas de force majeure enregistré. Guy Patrick Dick. 16 élèves du centre d'examen du lycée d'Akoua de Douala viennent d'achever l'épreuve de littérature française du probatoire de l'enseignement général, passage obligatoire pour la classe de terminale. Comme eux, ils étaient près de 143 000 candidats sur le plan national à prendre d'assaut ce mardi matin les différents centres d'examen. Dans ce centre, par exemple, près de 900 candidats ont effectivement répondu présents. L'on a pu constater l'entrée, la présence effective des forces de l'ordre, question de pallier à d'éventuels désagréments. Côté organisation, pas de fait moyen à signaler. La sérénité règne dans les salles et l'accent est mis sur l'identification des candidats répertorié au préalable dans un registre. L'examen probatoire section 2014 a bien débuté à 8 heures. Les élèves sont en train de composer dans toutes les séries en français. Pour l'instant, pas de problème majeur. Nous avons quelques absents, mais la plupart sont des candidats libres. Nous espérons que d'ici la fin de l'examen, tout va se poursuivre dans cette logique-là. Même son de cloche au centre du lycée bilingue de Daido, où 762 candidats ont été enregistrés. Dès 6h30, nous avons commencé à faire entrer les candidats au centre, en effectuant toutes les fouilles nécessaires et en retenant les sacs à l'extérieur du campus. À 7h, nous avons procédé à leur identification et à leur entrée en salle. Et 8h00, l'épreuve de français a été lancée en toute sérénité parce que les candidats sont venus attendre les surveillants aussi. Nous n'avons pas eu de retardataires. Les épreuves ainsi débutées s'achèvent samedi et les résultats sont attendus pour le mois de juillet prochain. Dans le même traité de chapitre, probatoire 2014, région du littoral, ils sont plus de 35 000 candidats, plus exactement 35 743 candidats affrontés ce matin les épreuves de littérature. Et le délégué régional, quant à lui, est allé dans le département du Mungo pour voir si tout se passe bien là-bas. Reportage de Julio Trezortan. Dans un sérieux imperturbable, les candidats à l'examen du probatoire affrontent les épreuves de littérature dans le département du Mungo ce mardi, comme dans tous les centres d'examen du Cameroun. Et pour s'assurer du respect des directives sur le bon déroulement des épreuves, le délégué régional de l'enseignement secondaire du littoral, Émile Lyomkil, a sillonné les centres d'examen de Banga, Grand Souza, Dibombari et Bodjongo. Une visite surprise qui a permis de constater que tout se passe plutôt bien. Mon sentiment est celui d'un homme serein, hein, parce que ce que j'ai vu me rassure, me conforte dans l'idée selon laquelle l'examen se passe très très bien ici. Et je n'ai pas lieu de m'inquiéter de quelque situation que ce soit, parce que ce que j'ai vécu sur le terrain ce matin me donne satisfaction. Au centre d'examen du probatoire de Bodjongo, aucune irrégularité remarquée. Nous sommes en train de travailler dans le respect de la réglementation et tous les candidats ont répondu présents ce matin, en dehors d'un seul qui, en cours d'année, s'est rendu au Canada et certainement ne reviendra plus. Tout se passe très bien, vous pouvez en être assuré. Une première journée d'examen facilement abordée par les candidats. Pour l'épreuve de français, c'était abordable et j'espère que les prochaines épreuves seront comme l'épreuve de français. Les épreuves ce matin étaient abordables. Rappelons que pour cet examen probatoire de 2014, on enregistre 35 743 candidats contre 35 453 l'année dernière. On va immédiatement mettre le cap sur la ville de Yaoundé avec vous, Débo Ndébé, pour le même son de cloche avec le probatoire qui, ce matin, s'est déroulé justement sans anicroche.
Bonsoir Malik Djoubissi, madame, monsieur, bonsoir. Le probatoire de l'enseignement général a donc continué ce matin après l'épreuve des technologies de l'information et de la communication hier qui s'est déroulée au centre unique du lycée bilingue. Les candidats des séries A, B, C et D ont donc pris le relais ce matin avec un geste d'optimisme pour la plupart des candidats. Constat fait par Estelle Nyangono et André Marindia sur le terrain. Coup d'envoi ce 24 juin du probatoire de l'enseignement général. Dès 7h30, les candidats des séries scientifiques et littéraires, dépourvus de leurs effets personnels, se soumettent à l'épreuve de littérature. La première épreuve du matin, c'était le français. Et on nous a demandé, on nous a donné trois sujets. Le premier sujet, c'était la compréhension des textes. Le deuxième sujet, le commentaire composé. Le quatrième sujet, la dissertation. Confiant, les candidats affirment avoir bravé cette première épreuve avec succès et demeurent optimistes pour la suite. Bon, c'est vrai que le stress fait toujours partie, mais je peux dire que je me sens bien. Et vu qu'il reste deux épreuves à passer, je vais m'en sortir. Côté administration, l'on se réjouit du bon déroulement des épreuves. Nous avons bien démarré et jusque-là, nous n'avons aucun problème qui a été signalé. Nous avons enregistré un taux d'absence assez sérieux. 43 absences sur 866 candidats, c'est considérable. Cet examen, passerelle entre le BEPC et le baccalauréat, s'achèvera ce 27 juin. Les candidats au probatoire sont donc encore face à leur destin, c'est-à-dire les autres sont déjà en vacances. Et parlant justement des vacances, question à poser aux parents, avez-vous déjà pesé votre porte-monnaie depuis le début des vacances? Avez-vous constaté que vous dépensez un peu trop du fait de la consommation des vacanciers à la maison? C'est le constat fait par nos équipes qui sont descendues dans quelques familles modestes où le budget est passé du simple au double, voire au triple. Merveline Tapi, Constant Kamga. Etang Bafia, quartier populaire de Yaoundé. Il est 10h30 ce mardi. Dans la cuisine de maman Pierrette, trois marmites au feu. Les vacances imposent leur rythme. Les enfants consomment plus pendant les vacances. Or que pendant les classes, ce n'est pas la même chose. Ils vont à l'école le matin, ils rentrent à 15h30, ils mangent du lait. Peut-être si tu sers un plat à quelqu'un, il ne parvient pas à finir ça quand ils rentrent. Ils gardent encore une partie. Le nombre de repas par jour passe du simple au triple. Le matin, je mange le pain. À midi, je mange le poisson ou le poulet. Et le soir, je mange, on donne encore le poisson ou le poulet. Je mange 5 fois par jour. Difficile de faire des réserves, certains parents optent pour des stratégies à l'africaine. Cette période de vacances, nous partons au village. Après 2 semaines, on rentre. On se ravitaille en manioc, en plantain, en macabo, bref, en vivre. Je ne peux pas faire des réserves parce qu'ils sont à la maison, ils consomment. Même si tu mets au congélateur, ils prennent. Quand tu n'es pas là, ils mangent. Quand ils ne sont pas sur des aires de jeu, les enfants sont scotchés aux écrans de téléviseur. Un comportement qui impacte sur les quittances d'eau et d'électricité. Ils consomment beaucoup, énormément d'énergie. Ils jouent beaucoup et ils consomment aussi l'eau. Parce qu'il faut laver les habits, ils jouent beaucoup et c'est sali. Moment de repos pour les enfants. Les vacances sont une période de lourdes dépenses pour les parents. On en a encore pour 2 mois et demi. Pas de vacances cette fois pour le gouverneur de la région de l'Est. Samuel Ivaha Dibois a pris son bâton de pèlerin pour palper les réalités socio-économiques de sa région. Il parcourt donc tous les départements de la région de l'Est à la suite du gouverneur Michel Ngar dans ce récit de Justin Pierre-Essouno. Le gouverneur de la région de l'Est est sur le terrain dans l'un des 4 départements de son unité administrative et de commandement. Une descente, mieux une vaste campagne de sensibilisation des populations face à la menace Boko Haram. Surtout que la région de l'Est est un grand foyer où convergent par milliers par semaine les réfugiés civils et militaires qui quittent par vagues la République centrafricaine. Le Haut-Nyon comporte 14 unités administratives. Dans ces circonstances, Samuel Ivaha Dibois s'est déjà rendu à Somalomo, Messamena et Yatok pour échanger avec les populations sur l'urgence qu'il y a à collaborer avec les forces de défense en dénonçant tous les hommes et biens suspects. Autre chantier qui complète le premier, les routes et les bacs, mais aussi les plantations.
C'est ce qui achève de dire que la tournée du gouverneur est à la fois sécuritaire et socio-économique, et ce n'est pas encore fini. En sport, question de fond après la débâcle des Lions indomptables au Brésil, surtout leur défaite contre le Brésil hier soir, 4-1. Avec quelle équipe, avec quelle administration, avec quel staff technique et avec quel joueur aborder la prochaine phase éliminatoire de la CAN qui commence en septembre prochain? Des questions et bien d'autres posées par Samuel Bonis et Javis Nana à quelques acteurs du football camerounais. C'est un coup double cinglant pour les Lions indomptables du Cameroun. Comme en 2010 en Afrique du Sud, les Verts rouges jaunes retournent au bercail en occupant le rang de 32e sur 32 nations qualifiées pour le Brésil. Plus qu'une défaite, c'est un déshonneur à prendre très au sérieux. Il faut laisser la fédération gérer le foot et mettre enfin, je pense qu'on a l'intelligence de mettre en place des dispositifs pour gérer et contrôler ce qui se passe là-bas. Ça, s'il y en avait une seule affaire, c'est la chose qu'il faut faire. Fini donc la Coupe du Monde pour notre pays. Les regards sont tournés vers les compétitions à venir. La plus proche, ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de septembre prochain. Les délais vraiment courts imposent une thérapie de choc. Il faut un entraîneur local avec des joueurs locaux, parce que les joueurs locaux, ils sentent la pression que vous sentez là. Maintenant, j'entends nos professionnels, tel va à tel endroit, ils vont se couler la couler douce avec l'argent du contribuable camerounais. Mais il faut la pression ici. Cet autre débâcle de l'équipe nationale de football ne laisse aucun Camerounais indifférent. Les acteurs de champ, quant à eux, appellent à un arrêt obligatoire. Il y a lieu de mettre également, n'est-ce pas, en fonction les résolutions du Forum national du football qui ont été organisées. Il faut mettre ces résolutions en marche pour que notre football puisse redécoller. Brésil 2014, c'est désormais du passé pour les Lions indomptables. Le football, quant à lui, doit se poursuivre. Que l'on redonne le foot à ceux qu'il mérite. Et nous connaissons qui peut faire quelque chose pour que ces choses s'améliorent. Fort malheureusement, rien n'est fait dans ce sens. J'ose espérer que les autorités républicaines prendront enfin conscience de la nécessité de résoudre au plus pressé le problème de la crise du football camerounais. Le cahier d'un retour douloureux au pays natal, vivement les mutations. Vous parlez également de cette actualité liée à l'élimination des Lions indomptables au mondial brésilien. Guy, Malik Djoubissi, avec ce reportage sur la discipline à deux vitesses au sein des Lions indomptables. À vous, Douala. Qui parle justement du comportement désinvolte de quelques Lions indomptables du Cameroun et il évoque justement cette discipline à deux vitesses. Plus d'informations dans l'élément que signe Alex Limbé. On ne se posera plus la question après cette élimination précoce de nos fèves au sujet de la discipline au sein de la tanière. Le constat est désormais fait et clair, surtout après ce machiavélique coude d'Alexandre Son ou encore ce coup de tête osé et belliqueux d'Assoué Koto à Benjamin Moukandjo. Une indiscipline affichée en mondovision et que l'on ne retrouve qu'à l'équipe nationale camerounaise. Celle-ci, faut-il le dire, est mieux entretenue par le capitaine des troupes Samuel Etofis qui en est le véritable régulateur. Un cas d'indiscipline proche de nous, le refus de prise de l'étendard des mains du Premier ministre chef du gouvernement à la fin du match d'au revoir Cameroun-Moldavie. Également, le quartier libre prononcé la veille du match par le 9. Les cas d'indiscipline qui réduisent à une dimension tout à fait passive nos Lions, d'où les résultats que tout le monde connaît aujourd'hui. Pourtant, dans leurs clubs respectifs, nos chers compatriotes sont plus disciplinés et respectueux que des agneaux, mieux encore que des moines au couvent. Au point où l'on se pose bien la question de savoir où est passé le patriotisme de ces Camerounais que l'on peut aujourd'hui considérer comme des Camerounais à part, au vu de leur comportement, doté d'une désinvolture extrême où l'intérêt égoïste est mieux défendu que l'intérêt national. La preuve, ces primes que l'on exige avec tenance plus que les résultats attendus sur le terrain. Conséquence, nos chers Lions n'ont rien à voir avec le vert, rouge et jaune, mais plutôt qu'avec leur poche qu'ils veulent à tout prix remplir. Le Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun ont quitté la compétition, la queue entre les jambes, mais ce n'est pas justement la fin du monde, puisque d'autres compétitions avec un enjeu certain sont à venir, mais il va falloir purement et simplement aménager sa monture. Lui, Roger Noadieu. Mondial Brésil 2014, c'est terminé pour les Lions indomptables du Cameroun.
Mais loin de ruminer les clichés cauchemardesques d'une débâcle programmée, il est opportun aujourd'hui de diagnostiquer le mal à la racine pour un traitement de cheval. Au regard, bien évidemment, de nouveaux enjeux qui se profilent à l'horizon. Il faut dissoudre toute la FECAFOOT, les états généraux du football d'abord, et que les gens disent les vérités. À partir de ces vérités, on va savoir ce qu'il faut faire. Faire table rase, même s'il faut arrêter pour un temps, on arrête pour un temps, pour revoir les choses et donner la responsabilité aux gens qui peuvent parler du football. Il faut déjà d'abord balayer tout le staff dirigeant, et puis discipliner les joueurs. Une refondation des Lions Indomptables qui passe inéluctablement par l'organisation sur l'ensemble du triangle national d'un test de sélection et de recrutement des joueurs locaux, des passeurs, des dribbleurs, des buteurs, des joueurs qui allient célérité, vivacité, gestes techniques, des joueurs qui peuvent seuls, ballon au pied, changer le cours d'une rencontre. Il faut y ajouter le recrutement d'un sélectionneur charismatique, capable de bâtir une équipe homogène des Lions Indomptables pour plus de victoires. Il faut dépolitiser, à mon avis, dépolitiser complètement les Lions et l'équipe et essayer d'écraser tout ce qui entoure les Lions Indomptables de telle manière qu'on puisse asseoir véritablement quelque chose qui concerne essentiellement les sportifs. Nous avons besoin d'un coach imposant, qui est influent face aux joueurs et qui peut dire des vérités à tout un chacun. Une refondation pour des victoires en perspective qui passe aussi par la suppression de ces primes qui semblent détourner les joueurs de l'objectif principal qui est celui de jouer et de gagner. Il faudrait aussi éloigner le plus loin possible le football ainsi que certains joueurs de la politique et de relancer le football des jeunes dans les 10 régions avec à la clé une Coupe du Cameroun. Le Cameroun est sorti hier de la compétition contre le Brésil, on l'a déjà répété, mais reste dans la compétition des pays africains tels le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Algérie eh bien, et le Nigeria. Et voilà les pays justement qui portent encore le flambeau du continent africain. Notre reporter Mirabeau Mahop évalue les chances de ces équipes. Après l'élimination du Cameroun, 4 des représentants de l'Afrique peuvent encore se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2014. La Côte d'Ivoire a son destin entre les mains face à la Grèce. Une victoire suffit aux éléphants pour valider leur ticket pour le second tour, et ce, pour la première fois de leur histoire. À l'image de la Côte d'Ivoire, le Nigeria a toutes ses cartes en main. Après un match nul et une victoire lors de leurs 2 premières sorties, les Super Eagles jouent leur qualification ce mercredi contre l'Argentine. L'Albi Céleste est déjà qualifié et le Nigeria a besoin du point du match nul pour s'assurer une place dans le top 16. En cas de défaite, les poulains de Stephen Keshi devront espérer un match nul entre Bosniens et Iraniens ou à défaut une victoire de la Bosnie-Herzégovine. Du côté de l'Algérie, les Fenecs ont repris le sens de la marche après leur large victoire 4-2 contre la Corée. Dans son ultime sortie ce jeudi, l'Algérie peut se contenter d'un score de parité face à la Russie, mais une victoire lui éviterait tout calcul. Le Ghana a certes séduit face à l'Allemagne, mais les Black Stars ne sont plus maîtres de leur destin. Même en cas de victoire sur le Portugal, les quarts de finalistes de l'édition 2010 doivent espérer une victoire de l'Allemagne pour se qualifier. Un match nul entre Américains et Allemands éliminerait directement le Ghana et le Portugal. Depuis 1990, seul un des représentants africains a franchi le cap du second tour à chaque édition de Coupe du Monde. Le Cameroun en 1990, le Nigeria en 1994 et 1998, le Sénégal en 2002, le Ghana en 2006 et 2010. Cette année, l'Afrique peut faire mieux. Merci Mirabeau Mahop pour cette évocation historique. On va parler justement à la suite de votre élément de l'actualité étrangère avec Peter Grest et 2 autres journalistes travaillant pour le compte de la chaîne Al Jazeera qui ont été condamnés entre 7 et 10 ans de prison. Ils sont, selon le tribunal du Caire, coupables de propagation et de diffusion de fausses nouvelles lors de la couverture de la crise avec les Frères musulmans, une condamnation que la communauté internationale trouve excessive. Reportage de Sophie Pierre de AITV. Ils avouent qu'ils dorment mal et qu'ils ont besoin de récupérer un peu avant la suite du combat. Car les parents de Peter Grest n'ont pas l'intention d'accepter le verdict du tribunal égyptien.
Lundi, celui-ci a condamné leur fils, journaliste pour Al Jazeera, à 7 ans de prison. Ça va être difficile pour lui, mais je sais qu'il traversera cette épreuve. Le journalisme n'est pas un crime. Ou alors, vous seriez tous derrière des barreaux. C'est aussi simple que ça. Cet homme, notre fils, Peter, est un journaliste primé. Ce n'est pas un criminel. 7 ans de prison également pour le chef du bureau d'Al Jazeera, un égypto-canadien. 10 ans pour un troisième journaliste, égyptien. Le tribunal a estimé que les trois hommes étaient coupables de diffusion de fausses nouvelles lors de la couverture de la crise avec les frères musulmans. Ce verdict scandalise la communauté internationale. Le secrétaire général souligne que personne ne devrait être emprisonné ou poursuivi pour sa participation à des manifestations pacifiques ou ses critiques de l'action gouvernementale. Il croit que l'Égypte sera plus forte en autorisant tous ses citoyens à exercer pleinement leurs droits. Les États-Unis ont demandé la grâce des journalistes. L'Australie, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont convoqué des diplomates égyptiens. La presse se mobilise aussi, à l'image de la chaîne britannique BBC. Ces journalistes essayaient simplement de recueillir les informations de tous les protagonistes de l'histoire afin de raconter fidèlement ce qui se passait à un moment crucial pour l'Égypte. Alors qu'il assistait à une cérémonie militaire mardi, Abdel Fattah al-Sissi a affirmé que les autorités ne devaient pas s'ingérer dans les décisions judiciaires. Pas question de grâce présidentielle donc pour le moment. En Ukraine, un plan de paix en 15 points a été établi pour sortir définitivement l'Ukraine d'une crise sans précédent qui dure justement depuis quelque temps. Les différentes parties ont ainsi consenti à un accord de cessez-le-feu. Plus d'informations avec notre correspondant de AITV. Réunion lundi à Donetsk, le bastion des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Après l'annonce par Kiev vendredi soir d'un cessez-le-feu unilatéral d'une semaine, dans le cadre d'un plan de paix en 15 points, le groupe de contact est venu chercher l'assentiment des rebelles. Alors que les combats se sont poursuivis tout le week-end, les chefs séparatistes des régions de Donetsk et Lugansk acceptent finalement d'observer un cessez-le-feu temporaire et d'ouvrir des négociations avec le président ukrainien Porochenko. Le cessez-le-feu sera observé jusqu'à la limite fixée par Kiev, qui est vendredi 27 juin à 10h du matin. Nous espérons que durant ce cessez-le-feu bilatéral, nous pourrons commencer des consultations sur la résolution pacifique du conflit. Satisfaction de l'émissaire de Moscou, l'ancien président ukrainien Léonid Kouchma. Pressé par les Occidentaux, la Russie avait donné un soutien de principe au plan de paix et appelé au respect du cessez-le-feu. Le président Obama avait aussi mis tout son poids dans la balance en menaçant directement son homologue russe de nouvelles sanctions. Le président a une nouvelle fois exhorté le président Poutine à soutenir la paix au lieu de laisser des armes et du matériel passer la frontière et d'arrêter de soutenir les militants et les séparatistes. La Russie sera exposée à un coût supplémentaire si nous ne constatons pas d'actions concrètes pour faire baisser la tension. Après l'annexion en mars de la Crimée, Vladimir Poutine aurait-il renoncé à aller plus loin? Toujours est-il qu'il a demandé mardi au Parlement russe de lever l'autorisation toute symbolique d'intervenir militairement en Ukraine. L'Égypte, voici le reste de l'actualité dans le monde avec nos confrères de AITV. Attentat à Beyrouth. L'explosion s'est produite hier soir dans un quartier chiite de la capitale libanaise où vivent des membres de la milice Amal liée au Hezbollah. Il était à peine minuit lorsque le kamikaze s'est fait exploser dans sa voiture. Les habitants regardaient alors la Coupe du monde de football dans un café voisin. 19 personnes ont été blessées. Le Japon et les Philippines ensemble pour défendre la loi internationale face aux revendications territoriales de la Chine. À l'occasion de sa visite à Tokyo, le président philippin Benigno Aquino a soutenu le projet du premier ministre japonais Shinzo Abe de modifier la constitution. Imposée par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, celle-ci empêche jusqu'à maintenant le Japon d'intervenir militairement à l'extérieur.
Pendant la Coupe du Monde de football, les manifestations continuent. Hier, à Rio de Janeiro et dans plusieurs villes du Brésil, des centaines de manifestants ont défilé dans les rues. Ils dénoncent les dépenses faramineuses liées à l'organisation de la Coupe et réclament une amélioration des services publics. À Copacabana, ils rappelaient aussi les victimes de la police envoyées dans les favelas pour rétablir l'ordre peu avant le Mondial. Fini les pots d'échappement qui pétaradent, Harley Davidson sort son premier prototype entièrement électrique. Le nouveau modèle n'a rien à envier au précédent car il peut monter à 110 km/h en 4 secondes. Seul inconvénient, l'autonomie. Pour l'instant, la Harley électrique ne peut couvrir qu'une distance de 85 km. Elle a surtout été conçue pour la ville. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous et à toutes. C'est la fin de ce journal. Canal International.